Attrape cannelle, t'es madame, ex citronnelle. Ajoute verveine, si des petits broches marjolaine. Castrol de l'eau, t'es madame, des gorges benjoin. Ex citron vert, ajoute de miel s'il est amer. Attrape cannelle, t'es madame, ex citronnelle. Ajoute verveine, si des petits broches marjolaine. Castrol de l'eau, t'es madame, des gorges benjoin. Ex citron vert, ajoute de miel s'il est amer. À la cohésion sociale et à la jeunesse, représentante du préfet, Madame Christine Torres, Monsieur le député représentant la présidente de région, le conseiller régional également, donc Monsieur Frédéric Maillot, Madame la représentante du président du conseil départemental, Madame Amandine O'Haro, Madame la représentante de l'Association des maires de la Réunion, Madame Lydie Delgar, et puis, comme on dit, hein, mesdames, messieurs, les intervenantes, les intervenants, hein, mesdames, messieurs, membres du Conseil de la culture de Mayotte, c'est plutôt madame, messieurs, mesdames, messieurs, des membres du Césaire de la Réunion, mesdames, messieurs, chers amis, et puis pour finir, comme on dit toujours dans notre bon créole, madame, monsieur de la société, adieu à toutes. Bienvenue et grand merci à vous d'avoir cette année encore répondu nombreux à cette seconde édition de la célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Organisé certes par le CCE, voilà. Au visage familier, s'en rajoute de nouveaux. Nous les accueillons tous très chaleureusement. En organisant cette manifestation aujourd'hui, nous honorons également notre engagement pris l'année dernière pour continuer à travailler dans cette dynamique autour de la journée du 21 mai, déclarée en 2020, mais déclarée en 2021, mais déclarée en commémorée en 2022. J'ai dit une bêtise. Voilà pourquoi, à force de dire quelque chose, ça m'embête un peu. Donc, en réalité, ça a été fait il y a 20 ans, donc c'était en 2001. Et donc, c'était en 2022, la première édition. Elle a fait les 20 ans, et les 20 ans l'année passée en 2022. Voilà. C'est un manque de lumière aussi qui m'amène à lire un petit peu difficilement. Il faut trouver des excuses, hein. Voilà. Donc cette journée était déclarée par l'UNESCO, et c'est important de retenir trois choses pour moi là-dedans. Il y a le mot diversité culturelle, le dialogue et le développement. Cette journée est une très belle occasion pour promouvoir la culture, notre culture, et de mettre en évidence l'importance de sa diversité. Elle est tout à fait indiquée pour célébrer les multiples formes de la culture, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Je profite pour rappeler que nous avons fait notre cette définition de l'UNESCO, déclarée donc en 1982 à Mexico. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, entre autres, les arts et lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs et surtout les traditions et les croyances. C'est une définition, comme dit, anthropologique, et moi j'ai souvent résumé ça dans l'idée que c'était toute activité qui relie les êtres humains dans leur environnement. Ce qui veut dire que dès l'apparition de nos ancêtres sur la Terre, la culture existait d'une certaine manière, puisque dès qu'il y a un groupe, il y a forcément des modes de vie, des moyens de communication.
Jordi donc, les gaillards jaunés pour les rises le tapis mendiant, pour montre le bon goût, notre culture en brocal, surtout avec toutes qualités épices nous n'en a. Oui, dans un brocal là, lavez de riz, lavez le grain, lavez la viande, mais surtout lavez les épices. Ça même, il fait plaisir à la bouche. Et madame, si elle était mauricienne, elle a 4-5 jours, à mon avis, elle a dit, les épices, les bons pour donner le goût, c'est vous appelez les plus ou moins plate, là, pas le goût, là. Elle était en train de montrer dans la télévision mauricienne, mais elle ne me dit pas sur quelle chaîne, pour ne pas faire publicité, que le curry manioc existe aussi. Le monument manioc bouillie, manioc confiture, manioc gâteau, etc. Mais là-bas, là, on a vu comment il fait un curry manioc. Mais là, je dis, bah, madame, les épices peuvent donner le goût. Hein. Quoique un bon manioc, on a un goût aussi, hein, de ce côté-là. Donc, les épices, c'est quelque chose d'important, si on y insiste là-dessus, tu m'as revenu là-dessus tout à l'heure, dans notre vie, dans toute la cuisine, dans d'autres choses aussi, dans les tisanes, il y en a une place importante. Voilà. Et, m'y donne pas le temps, parce que moi-même, dans ma famille, dans mes bonnes amies, Jordi n'y arrive à mettre un branche d'épices dans le riz, quand il fait cuire le riz. Le riz blanc n'a plus de goût. À force de stériliser, je ne sais pas quoi faire blanchir, je ne connais pas comment faire ça, il dit ça. Mais on dirait que notre riz blanc qu'on y mange, bon, ben là, il n'a plus de goût. Et donc, il va rajouter un petit peu le goût dedans. Voilà. Allez. Bon, mais il ne regrette pas le temps où ça l'avait de riz mangalore, peut-être que le goût est un peu fort aussi. Mais toujours est-il que dans notre riz, qu'il peut manger, mais là, il parle de riz sauvage, riz rouge, etc. Il y en a un peu de goût, hein, quand même, hein, de ce côté-là. Voilà. Mais il profite pour dire un petit peu que ça, il appelle ça culture en brocal. Il y en a un peu de monde, il connaît, il a fini d'entendre ça plusieurs fois, ma fille dit ça, mais là, il m'a bien dit, d'ailleurs, là, dans ce en brocal-là, où il y en a à la base, moi, elle a fait quand Robert Gauvin, le président social, elle a dit elle avait bien le riz, elle avait bien le grain, elle avait bien la viande, elle avait bien les épices, tout ça, c'était mélangé. Alors Jordi, il a la tendance à faire le riz et le grain seulement, et faire un rougail à côté. Tu connais que ça accompagne les embrocales, hein, de ce côté-là. Mais les embrocales, il est un peu comme le tapis mendiant. Quand on regarde le tapis mendiant, vous l'avez la dernière fois, mais il voit encore quelques traces sur le tapis, là. On regarde pas trop, c'est que les petits carrés, pas petits carrés, ce carré, ceci, cela. On regarde le tapis mendiant dans sa entièreté, comme il dit en bon français. Et c'est là qu'on voit la beauté du tapis mendiant. Et le zambocal, ça pas regarder s'il n'a plus de parfum. C'est parce qu'on va retrouver le bout d'un peu des affaires. Mais quand on voit le zambocal là, c'est l'ensemble qui met le dans la bouche, comme il dit. Voilà. C'est pour ça que c'est important de montrer que ça, cette façon de définir la culture-là, il ressemble un petit peu de tapis mendiant peut-être, mais c'est ça l'important pour nous aujourd'hui. C'est comment il y place de bonnes épices qui peuvent faire passer des tisanes, entre autres, dans notre culture, comment ça y fait l'identité, comment ça y fait. Même les scientifiques appellent ça le lent commun, ils appellent ça la créolisation, etc. Mais c'est toujours de ce côté-là que ça va. Hein? Zambocal aussi, c'était ben, un peu de pépa, c'était au conseil de la culture, il dit ah, que ça, pourquoi ils disent les cultures Zambocal, alors qu'en fait, ben, c'est pas un manger seulement. Les midiazotes, il y en a 10 ans de ça, 12 ans même, les midiazotes comme ça, ben, c'est très simple. Proposez-moi notre affaire. Et là, je fais un appel pas seulement à Bande de Moune, Conseil de la Culture, mais à Zat aussi, qui ça, ils peuvent donner une autre définition de notre culture. Le Bande Mauricien dit nation arc-en-ciel. Mais il dit que nous n'est pas comme ça. Nous n'avons pas un à côté de l'autre. Depuis que nous l'avions, nous les tortillés, mélangés, tout ça ensemble. Donc, à partir de là, il ne peut pas dire que nous, une nation arc-en-ciel, nous aussi. Il n'est pas là-dedans. Un bon camarade, que d'habitude, il vient avec nous, Jules Dieudonné, a dit moi, un jour,
Tu nous l'es comme les Lali. Ah, ben voilà, ben Gilles. Ben, nous l'es un peu comme Caméléon. Vous êtes d'accord ou ne contredit pas? Donc, ben, pas ça, pas les du même gambassement en terre. Non, non. Nous l'a bien causé de ça. Je dis, Gilles est un peu compliqué de dire ça aussi. Parce que il croit que nous devons être fiers de ce que nous devons. De notre mixité, notre bâtardcité, tout ça, là, culture mélangée là. Mais nous devons être tout le temps comme ça. Partout, tout le temps, nous l'est là. Nous devons être fiers de nous comme ça. Donc, changer en fonction du paysage n'est pas une bonne affaire pour nous. Hein. Ils pensent que nous les réunionnais leur montrer qui ça il est, et comme, en toute occasion, comme il dit. Voilà. En fait, notre richesse là, elle est importante pourquoi? C'est parce que c'est une affaire qu'il est en train de grossir. Il bouge tout le temps. C'est comme nous disons, c'est une chance. En fait, les composantes que l'on a dans la Réunion, je le constate comme moi-même, et tout ça, ils changent. C'est plus la même, il y en a 20 ans, 10 ans, et bien, enfin, les semaines, ça va plus loin, 50 ans en arrière, mais naturellement, le monde arrive ici. Et ça y apporte des choses différentes, et tout ça, ils maillent bien ensemble. Hein. Donc, il est important, pas ni cause là-dessus, ni il dit qu'il faut utiliser ça avec tout ce que vous avez amené aussi. Ceux qui utilisent de manière comportementale, les autres amènent aussi des choses, et peut-être les monétisants aussi influencés là-dedans, hein, de ce côté-là. Mais il faudrait simplement terminer sur le fait que nous a dit croyance donne zébase partout, il fait tisane dans la Réunion. Parce que on l'a entendu ici, là, dans les capsules. Tout le monde il dit, de toute façon, sur la fois la croyance dans le tisane, ne prend pas le tisane. Donc, il y a ça, il faut mettre ça en avant. Et nous, les spécialistes connaissent ça mieux que moi, c'est parce qu'il y a un lien vraiment très très fort entre la croyance et les herbages, donc la tisane, de ce côté-là. Cette affaire-là, elle est très répandue, ça. Claude Mardon, ici président de la Palmédome, avait donné un rapport dans le chiffre, il montre 87% des réunionnais concernés par ça. C'est un nombre extraordinaire quand on veut comparer. Mais là, il ne rentre pas dans le détail. Le monde a travaillé bon un peu, mais bon, mais César, il va dire ça, il y a trois mois là-dessus, dans la zone de l'océan Indien, dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien, comme il dit. Seulement, il y a une affaire que lui voudrait insister dessus. Il est important pour moi. Dans tout le travail qu'il a fait là, dans toute la transmission, la fait dans le milieu familial, dans les tranches de vie de la famille là, on entend beaucoup parler de bonne madame. C'est toujours d'un maman à la fille, etc. Genre, Gina Tisaner aussi. Hein. Mais on dirait que c'était bon peu, c'était bonne madame, tu fait ça, on dirait. Hein. Surtout François Tibet qui est là, il y a moins de Tisaner aussi, donc pas comme ça là, pas que les femmes. Mais toujours est-il que dans les récits que nous entendons, mais écoute là, on entend souvent ça. Et que ça devient après ce que m'y appelle une parole qui fait foi. Ça est comme dans le pâté créole ou dans des affaires comme ça, ça. Parce que mon grand-mère ou mon maman l'a dit à moi, il est fait comme ça, la montre à moi fait comme ça, même si ce n'était pas dans un corps organisé. Donc c'est ça le vrai affaire. C'est ça qui fait foi, ça l'est authentique. Alors il connaît bien. Qu'il peut bien avoir un peu de variation. Et musique, même si la variété est un peu la mal utilisée, globalement, tisane la Réunion, de manière à part de ce qui a été fait de manière intentionnelle, dans un métier bon peu de monde. La rendre un peu malade, peut-être, c'est possible. Mais tu es vraiment, m'y connais pas. La pointe de statistique, m'a pas vu dans cette affaire-là, des statistiques qui montrent que la tisane de Mouno, ce tisane-là n'est pas si nocif que ça, parce que même la médecine traditionnelle, il peut tirer. On peut le monde sans en faire exprès. Voilà. Donc, je termine sur la chose suivante. Merci. Merci bien tout ce que ça a témoigné là. Tout ce que ça a organisé. Dans le détail, peut-être pas dit à la fin tout cela. La journée peut être réussie, et grâce au public aussi qui participe à dire toute chose. Mais dit, ben, tisaneur, tisaneuse, naturaliste, médecin, pharmacien, pharmacienne,
Personne n'a envie ni intérêt de voir des savoir-faire reconnus disparaître et personne n'a l'intention avouée de dégrader notre biodiversité. C'est de la diversité des opinions que naissent les nécessaires dialogues positifs. Alors, Mediasoft, à nos causés. Voilà. Attrape cannelle, t'es madame, ex-citronnelle. À soulever à veine, si des petits brosses marjolaines. Castrol de l'eau, t'es madame, l'écorce benjoin. Ex-citron vert, ajoute de miel s'il est amer.